Salut les amis, soyez les bienvenus dans un nouvel abécédaire des animaux. Regardez derrière moi, il est magnifique. Alors, un cheval ou un poney? Il est grand et pourtant c'est un poney. Vous souhaitez en savoir un petit peu plus? Comment on sait si c'est un cheval ou un poney? Toutes ces questions, vous voulez poser? Restez ici, on en a pour quelques secondes et on retrouve Claire. A tout de suite. Le poney trouve ses origines dans des populations de chevaux sauvages qui se sont développées dans les zones où la nourriture était rare et où le climat était rigoureux. Leur petite taille résulterait donc d'une sélection naturelle et d'une adaptation à leur environnement contraignant. Après domestication par l'homme, les poneys ont été utilisés pour la conduite et le transport de marchandises, ainsi que pour l'équitation de loisirs et plus tard en tant que monture de concours ou de spectacle. P comme poney. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi pour cette nouvelle émission, ce nouveau numéro de l'ABCDR des animaux. Et aujourd'hui, nous allons parler du poney. La première question qui me vient à l'esprit, comment différencie-t-on le poney d'un cheval? Alors tout simplement, on va avoir une mesure de l'animal à ce qu'on appelle le garrot. Le garrot, ça va être en fait quand tu suis, donc tu as la tête du cheval, tu as ses oreilles, tu as son cou qui s'appelle l'encolure et tu vas avoir une petite proéminence au-dessus de son épaule. D'accord. Qui va s'appeler le garrot. C'est la petite bosse. C'est ça. Qui se situe, voilà, effectivement. En fait, on va faire la mesure de l'animal du sol jusqu'à son garrot. Mmh. Et on dit que tout ce qui fait plus d'1m48 au garrot, c'est un cheval. Et tout ce qui fait moins d'1m48 au garrot, c'est un poney. Quand on mesure avec ou sans fer à cheval? Alors, on va mesurer sans fer à cheval de façon à avoir réellement la taille réel de l'animal sans avoir des petites semelles compensées entre guillemets. En gros, tous les poneys sont des chevaux, tous les chevaux ne sont pas des poneys. Alors en fait, ce sont des animaux qui font tous partie de la même famille, mais par contre, voilà, tu as vraiment un distinguo au niveau de la taille, mais tu peux avoir aussi visuellement quand même une différence assez physique entre un cheval qui a tendance, alors pas tous, attention, mais souvent les chevaux sont quand même plus hauts sur pattes, plus élancés. Les chevaux de trait sont en revanche beaucoup plus robustes. Ils sont plus robustes, mais ils sont quand même assez hauts sur pattes, on est d'accord. Alors que le poney, eh bien, généralement, il est quand même assez petit, assez trapu, et il a souvent des crins et du poil assez hirsute, et du coup, ça fait un animal qui a un physique qu'on reconnaît très facilement. Tu connais le principe de cette émission, on va laisser poser des questions, et tu y réponds. C'est parti, on regarde tout de suite ensemble la première question. De quelle famille font partie les poneys? Alors on en parlait, juste rapidement, on a parlé de la famille tout à l'heure, la famille des poneys, sans la nommer. Mais quelle est-elle cette famille? Alors c'est la famille des équidés. D'accord. Les équidés, ce sont des herbivores ongulés, mais à un seul sabot. Et ils ont par exemple comme cousin le zèbre. Alors il y a effectivement des ongulés avec deux sabots qui sont, je crois, les chèvres et les moutons. Les chèvres, les moutons, entre autres, effectivement. D'accord. Pourquoi les équidés dorment debout? Alors, initialement, les équidés, ce sont des animaux qui sont des proies. Ils ont toujours été des proies et en fait, ce sont des animaux qui ont développé donc des techniques pour pouvoir réagir à un danger le plus rapidement possible. Okay. Ce qui se passe, c'est que le cheval, le poney, le zèbre, etc., quand il a besoin de se reposer, il va faire des phases de sommeil plus ou moins profondes en fonction de l'endroit où il se trouve. Ce qui va se passer, c'est que généralement, quand ils vivent en horde tous ensemble, eh bien, il y en a un qui va rester debout. D'accord. Et qui va donc se mettre en sommeil très léger, de façon à ce que si jamais il y a un danger, il puisse alerter tout le monde et que tout le monde se mette en mouvement le plus vite possible. Les équidés ont une particularité, c'est-à-dire qu'au niveau de leurs jambes arrière, ils sont capables de verrouiller leurs articulations de façon à alterner comment ils dorment. Et en fait, ils vont tout simplement avoir schématiquement un petit bout de rotule qui va se bloquer et qui va verrouiller le frein. Exactement. Ils mettent un frein, tout simplement. C'est la rotule qui se met automatiquement en frein. Voilà. Quand l'animal se met en sommeil léger, eh bien, il va tout simplement se verrouiller de façon à avoir quand même un point d'appui un peu confortable pour se reposer, mais il peut être prêt à repartir à toute allure, à tout moment. Extraordinaire. On regarde tout de suite une nouvelle question.
est dangereuse pour les chevaux ou les poneys? Et, en revanche, quel est un repas équilibré pour un poney? Alors Claire, quelle est la friandise qui est dangereuse pour le poney, le cheval? Et en revanche, quel est le repas équilibré diététique pour un cheval et un poney? Alors, sans aller chez le nutritionniste. Alors en fait, je vous rappelle que les équidés, et donc là en l'occurrence le poney, ce sont des animaux qui sont herbivores à la base. Donc comme tout herbivore, le poney n'a besoin initialement de manger uniquement de l'herbe ou du foin, qui est de l'herbe séchée. D'accord. Néanmoins, le poney est quand même un animal très gourmand et qui, eh bien voilà, dans le cadre de notre relation, on peut être amené à lui donner des petites gourmandises. On va éviter de lui donner du pain. D'accord. Pour plusieurs raisons. Et pourtant, c'est une, c'est l'image qu'on a de donner du pain aux équidés, aux comme ânes, souvent. Aux chevaux. Aux comme poneys. Souvent, mais c'est pas forcément quelque chose de très recommandé pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que le pain, c'est plein de céréales. D'accord. Et ça peut ne pas être forcément très digeste pour l'animal. D'accord. La deuxième des raisons, c'est que le pain, pour être donné à un poney, même en petite quantité, il faut qu'il soit sec et dur. D'accord. Il ne faut pas qu'il soit mou parce que sinon ça peut provoquer une obstruction et l'animal risque de s'étouffer. Donc là ça peut être très très grave. Mais ce qu'on peut prendre eh bien, comme petite friandise, on peut prendre par exemple des petits bouts de carottes ou des petits bouts de pommes avec parcimonie. Mais ce sont voilà, plutôt des friandises tout à fait adaptées pour eux. Quel est le temps de gestation chez un poney? D'abord, est-ce qu'il est différent de celui du cheval, puisque c'est la même famille ou pas du tout? Et alors, le temps de gestation, pour rappeler aux enfants qui nous regardent, c'est le temps où le bébé est dans le ventre de la maman. Alors, il n'y a pas forcément de différence. On va parler d'une moyenne, parce D'accord. que comme toujours, il y a des animaux ben, qui sont relativement plus courts et d'autres qui sont vraiment plus lents parce qu'ils prennent plus leur temps. Donc, ça, en moyenne, on est sur 11 mois de gestation. D'accord. Donc, à savoir que, petite anecdote très mignonne, quand le poney, le bébé poney va naître, ou bien le poulain de cheval va naître, il va naître la tête et les sabots avant, D'accord. comme ceci. Ah, extraordinaire. Et à l'intérieur, je vous montrerai tout à l'heure, à l'intérieur de chaque membre du poney, du cheval, de n'importe quel équidé, vous avez des espèces de petits patchs comme ça. D'accord. qui sont un peu durs, un peu, qui ressemblent un peu à de l'os, en fait c'est de la kératine. Et ça, en fait, quand le bébé naît, les membres se détachent. Et en fait ce sont, entre guillemets, les cicatrices de la naissance qui restent de chaque côté. Leur nombril à eux. C'est, alors ils ont un nombril, mais là ça s'appelle des châtaignes. Ah. Et en fait c'est de la même matière que les sabots. D'accord. Et en fait ça peut pousser tout au long de la vie, mais c'est vraiment, sur n'importe quel équidé, vous allez les retrouver. On va regarder tout de suite une nouvelle question. Est-ce que, comme les chevaux, on appelle le bébé poney un poulain ? On a parlé des bébés il y a quelques instants. Est-ce que, comme les chevaux, le bébé poney s'appelle le poulain ? Exactement. D'accord. Alors en fait, le bébé poney mâle va s'appeler le poulain et le bébé poney femelle va s'appeler la pouliche. Et est-ce que le bébé poney boit du lait, comme les chevaux? Effectivement. Ce sont des mammifères, donc ils ont besoin de boire du lait. Mm-hmm. Quand ils vont naître, leur première alimentation, ça va être du lait, au même titre que pour nous. C'est la même chose. Pendant combien de temps? Alors, là aussi, il y a des variantes. En fonction de comment eh bien, grandit l'animal, dans quelles conditions il vit, etc. On peut avoir un animal qui va être sevré, c'est-à-dire qui va arrêter de boire le lait de sa maman et passer à une alimentation beaucoup plus solide aux alentours de 6 mois. Mais pour certains animaux qui prennent vraiment beaucoup plus leur temps, ça va durer à peu près 10 mois. Ah, quand même. Ouais. Regardez tout de suite une nouvelle question. C'est quoi la robe d'un poney? Alors Claire, c'est quoi la robe d'un poney? C'est bien, une bonne question ça. C'est une bonne question. Et c'est pas un habillement d'ornement. Non. Puis je me mets pas à la couture, j'arrête. Je fais pas ça. Alors en fait, la robe, c'est ce qui désigne la couleur du poney. D'accord. Les taches qu'il va avoir et la couleur de ses cheveux qui s'appellent des crins. D'accord. Et il y a une immensité de diversité au niveau des robes. Comment appelle-t-on le cri du poney? Alors on appelle ça le hennissement.
D'accord. dit que le poney hennit au même titre que le cheval. Alors on va terminer justement par cette question. Combien de temps vit en règle générale un poney ? Alors il faut savoir que les poneys généralement peuvent avoir une durée de vie allant jusqu'à la quarantaine, voire 45 ans. Ce sont des animaux qui sont quand même assez rustiques et en fonction des conditions dans lesquelles ils sont bien maintenus, ils sont quand même très résistants et peuvent aller donc jusqu'à des âges assez impressionnants. Ils sont bien avancés en tout cas. Tout Merci beaucoup Claire pour toutes ces Avec informations. Plaisir. T'es d'accord avec tout ce qu'a dit Claire ? Oui, t'es d'accord. Ah bah, attends, c'est une experte en la matière. Hein. On en sait beaucoup plus maintenant sur les poneys. Les 1m48 au garrot, qui ont une très très belle crinière. En tout cas, j'étais ravi de faire ta connaissance. Je te fais un gros bisou et on se donne rendez-vous très très vite pour de nouvelles aventures. Où ça ? Dans l'ABCDR des animaux. Salut !